Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur Soubonne, que la paix du Seigneur soit avec vous. J'aimerais vous donner les dernières nouvelles sur cette affaire, l'affaire du festival de Travis Scott qui a mal tourné le vendredi 5 dernier. Ah! Ça fait maintenant plus d'une semaine. Mais les gens ne font que qu'en parler. Les gens ne font que raconter des trucs. Et moi, je vais vous dire aussi ce que les gens pensent. Mais pour ceux qui ne sont pas au courant, ne vous inquiétez pas. Deux vidéos vont apparaître sur l'écran ici, à la fin. Vous allez voir clairement de vous-même ce qui s'est passé et pourquoi les gens en parlent. Déjà, c'était quoi? C'était un concert qui a eu lieu. Et à ce concert, il y a eu plus de 50 000 personnes. En fait, le nombre de personnes qui étaient censées être là, ça a débordé. Ouais, non. Et comme ça a débordé, la sécurité avait déjà du mal à tout gérer. Ça fait que les gens étaient maintenant coincés. Coincés, genre comme des cages. Et ils étaient étouffés. Ils avaient du mal à respirer. Même pour lever la main, ils ne pouvaient pas. En fait, tellement ils étaient nombreux, comme ce que vous voyez à l'écran, ça ce n'est rien. Tellement ils étaient nombreux et coincés entre eux, que pour lever même la main, c'était impossible. Si vous avez réussi à lever votre main se cale en l'air, ça ne descend plus. Parce que ils sont compressés, ils étaient compressés. Ils étaient carrément collés, même comme ce n'est pas possible. Il n'y a pas de place pour lever la main. Tout le monde était étouffé et les gens essayaient de crier à l'aide pour appeler les secours afin que ces gens-là puissent venir les aider. Et dans ça, là, les gens s'étouffaient, ils tombaient. Et pendant qu'ils tombaient, là, ils étaient au sol, sous les pieds des gens. On marchait sur eux. Dans ça, là, c'était son mort. Et les gens continuaient à marcher sur les cadavres, selon les informations que nous ont donné les gens qui étaient présents là-bas. Ces gens-là nous ont clairement dit qu'on avait l'impression de se retrouver dans un concert en enfer, littéralement, quoi. C'est comme si on se trouvait littéralement en enfer. Et dans cette affaire, quand il a commencé à avoir pas mal de personnes qui s'étouffaient, s'évanouissaient, il y a une fille qui était montée sur le stage, c'est-à-dire sur le podium, pour essayer d'arrêter le concert, mais elle n'a pas été écoutée. Ces gens-là disent qu'ils ont essayé d'appeler le 911, mais c'était assez compliqué. Il y a eu des morts et beaucoup de blessés. Au commencement, on parlait de 8 morts. Après, c'est monté à 9 morts. C'est-à-dire, récemment, il y a une fille de 22 ans qui est décédée. Je vous ai fait écouter la réaction de ses parents dans l'une de nos vidéos précédentes. Vous pouvez aller écouter. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas joli, joli. C'est tout sauf joli, joli, je vous assure. Et voici que après ça, les gens vont commencer à réfléchir. Ils vont commencer à chercher des trucs. Et ils vont découvrir beaucoup de choses qui ont été sans doute à l'origine de ce qui s'est passé, quoi. Les gens vont voir beaucoup de symboles occultes, beaucoup de symboles bizarres. Et certains vont finir par déduire que sans doute c'était un rituel satanique. Oui, sans doute c'était un rituel satanique. Et la plupart sont déterminés à dire que c'était juste une chose organisée pour sacrifier les gens. Sérieux? Est-ce que c'est vrai? Qui sait? Mais regardez très bien. Et quand ces gens en parlent, ils nous montrent cette image. Oui, cette image,
L'image que vous voyez à l'écran, on voit le vêtement de Travis Scott, et sur ce vêtement-là se trouvent des images assez compliquées. On voit le bleu ici. Vous voyez, non? On voit le bleu jaune comme de vraies humains, mais ces humains-là marchent en traversant une porte. Et on voit qu'il y a une transformation qui se fait ici. Un passage d'un être humain à un démon. Quand les gens voient ça et ils regardent ce qui s'est passé à ce concert, ils se disent, l'affaire-ci n'est pas simple. Sans doute, il arrive quelque chose. Et ils sont en train d'en parler toujours. Ils en parlent et ils en parlent. Ils en parlent et ils en parlent. Ah, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, de quel monde sommes-nous? Et c'est ce qui est en train de faire le buzz sur les réseaux sociaux actuellement. Les gens continuent à en parler. Et voilà. Vraiment, 2021. 2021 a été une bonne année pour certaines personnes, mais une année très compliquée pour d'autres. L'objectif du diable, c'est de faire veiller à ce que cette année soit une mauvaise année pour vous. Il veut créer des accidents. Il veut créer des choses pareilles. Juste pour compliquer la vie des pauvres personnes. Maintenant, est-ce que ce que les gens sont en train de dire, est-ce que vous pensez que c'est vrai? Déjà, quand on voit cette image, on se dit, mais, ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On voit une tête et une bouche que les gens doivent passer par la bouche à porter au concert. Si ça, ce n'est pas de l'emboutement, je ne sais pas ce que ça va être. Entre vous, si vous voyez, si on mettait la tête du diable avec des cornes ici, est-ce que vous allez accepter de passer là par sa queue pour pouvoir entrer comme ça dans le concert? Non, dites-le-moi. Mais comme c'est une star, une personne connue, cette star peut faire cela tranquille et puis personne ne peut en parler. Mais ça, c'est encore rien parce que des gens disent avoir vu des mots se manifester lors de ce concert. C'est ce que je vais vous montrer maintenant dans la prochaine vidéo. Soyez donc abonnés et soyez prêts, je vais vous montrer cela. Chap-chap. Vous allez rapide, 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 vous allez voir. Mais vraiment, ce concert a été un concert vraiment qui s'est mal terminé. Certaines personnes pensent que s'il n'y avait pas eu de mort, ce concert serait l'un des meilleurs concerts de l'année. Vu tout ce qui a été investi pour, il y avait Apple Music là-bas, c'était en live, le show était au top. Regardez. Maintenant, que pensez-vous de ça? Est-ce que vous pensez que dans un concert, on peut faire des sacrifices humains? En tout cas, moi, j'ai déjà entendu des témoignages qui confirment ce genre de choses. Selon ce témoignage, on nous dit que quand vous allez à un concert et que les gens tombent en transe, faites vraiment très attention. Et quand il y a des morts, faites encore plus attention. Parce que c'est comme si vous étiez tous connectés au royaume de l'enfer, au royaume des démons, sans que vous en rendiez compte. Sérieux? Mais qu'est-ce qu'il y a ici pour nous confirmer cela? Y a-t-il une chose ici qui peut nous rappeler l'existence des démons? Quand les gens parlent de ça et qu'ils cherchent, ils finissent par tomber sur cette image qui est ici. Et ils se disent, mais qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce que ça fout ici? Travis Scott, tu viens nous expliquer. Vous voyez là? C'est pourquoi je vous dis, même si les satanistes ne vont jamais venir vous dire qu'ils sont satanistes, même si les sorciers ne vont jamais vous dire qu'ils sont sorciers, vous allez reconnaître les reconnaître au travers des signes, au travers des images même et de la œuvre. Mes frères et sœurs, vraiment, faites grave attention.
Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Restez connectés sur Nuance Report. J'attends sur vos commentaires. C'est parti.